Eh bien, la soyeuse, c'est ma reconstruction. Pourquoi elle s'appelle la soyeuse? Parce que j'ai métabolisé ma famille. Moi, je suis ingénieur textile. Mon père est ingénieur textile, mon arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était effilocheur de laine. Les soyeux, ici, c'est les entrepreneurs textiles. Ça rappelle ma famille. Et puis soyeux, parce que je voulais que la bière, elle soit aussi soyeuse. Je suis à la soyeuse depuis 2017 en tant que responsable commercial et opérationnel, ce qui veut dire grosso modo que je suis le copilote de la brasserie avec Bertrand. Le projet de la brasserie La Soyeuse, c'est une reconversion qui va avoir 20 ans. J'ai choisi la bière parce qu'il y avait zéro agriculteur brasseur. Le changement s'est fait à un moment, il y avait les trois enfants, tout ça. C'était une grosse remise en cause, très grosse remise en cause. J'ai en fait découvert le monde de la bière artisanale à Londres. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que des bières industrielles et qu'il y avait des bières qui avaient du goût. Comme beaucoup de brasseurs, j'ai commencé par le brassage amateur. Je me suis pris de passion pour le produit. Et en revenant sur Lyon, j'ai trouvé une place à la soyeuse. C'est tombé bien. Et j'y suis depuis. Donc il y a plusieurs activités. Ça, c'est aussi un des points. Si je voulais faire de A à Z et faire de mes mains. Le A, c'est l'orge, quoi, enfin la culture. Et puis Z, c'est la vente. Tout ça, ça se regroupe dans cette salle-là où, effectivement, le vendredi soir, on fait bar after work jusqu'à 21h et en semaine, on est ouvert pour accueillir nos visiteurs directs pour la vente en direct depuis le producteur. C'est ici aussi qu'on a mis en place tout ce qui va être bière en vrac. On a une fontaine à bière avec des contenants consignés d'un litre et deux litres où les gens peuvent venir se servir en bière pression. Il n'y a pas d'étiquette, c'est zéro déchet et ils repartent avec leur bière. La soyeuse, à l'heure actuelle, a 16 hectares de terres cultivables. Ça, c'était aussi une volonté forte d'avoir un impact positif sur l'environnement grâce à l'activité. Et c'est quand même un truc qui est important pour moi. On se rend compte aussi comment les terrains peuvent être épuisés par des pratiques, mais qu'il y a de l'espoir. Il faut être patient, ça prend un certain temps. Que là, petit à petit, les terrains progressent, le rendement s'améliore. Ça a mis 20 ans, quoi. Je m'occupe de la boutique et du bar pendant leurs heures d'ouverture. Je vais faire les stocks, je vais nettoyer la salle, je vais tout préparer, le pain, le fromage, pour que tout soit prêt à l'arrivée des clients, parce qu'on est toutes seules à tenir le bar, donc c'est plus facile quand tout est prêt. Donc. Je m'occupe de la commercialisation des produits, leur livraison, tout ce qui est réception de commandes. Je m'occupe aussi du bar, donc je suis responsable du bar, donc je m'occupe de l'approvisionnement du bar, de la partie événementielle aussi sur le bar. Comme je suis agriculteur et que la région lyonnaise a été pionnière pour les points de vente collectifs d'agriculteurs, donc comme j'étais le premier, je suis rentré dans plein de points de vente collectifs d'agriculteurs. Et moi, ça me correspond bien puisque c'est circuit court, local, les gens ils viennent, ils achètent le produit parce qu'il est bon. Il y a une diversité qui s'est créée au niveau des bières et tout ça. Donc moi, je suis la première génération. Hein. Et donc, on le voit au niveau de l'histoire des bières. C'est-à-dire qu'on a quatre gammes. La gamme tradition, c'est les bières, on va dire, initiales. J'avais que ces bières-là, de 2003 à 2016. On va avoir la blonde lambrée, la rousse et la blonde au miel de châtaignier. Les profils de ces bières sont vraiment des bières de dégustation assez rondes, assez gourmandes. La gamme petite soif, elle est venue parce que j'ai eu mon premier salarié commercial. Il dit qu'il faut développer la gamme. C'était des gros mots. Comme son nom l'indique, c'est des bières un peu plus rafraîchissantes. Elles sont un peu moins fortes en alcool, elles sont grosso modo plus légères. Après, on va avoir la gamme Grand Cru. Il y a la triple et il y a l'IPA, des bières beaucoup plus axées sur le houblon, assez amères, assez fruitées. Pareil, très bonne buvabilité aussi là-dessus. Depuis 2020, on a lancé la gamme éphémère, qui là sont des bières qui n'ont absolument aucune ligne directrice, si ce n'est qu'elles invitent au voyage. On veut vraiment faire des bières très spéciales, montrer ce qui existe dans le paysage brassicole, montrer ce qui existe comme style de bière. C'est vraiment des brassins one shot, on en fait un, on fait 3000 bouteilles de 33 centilitres, et après il n'y a plus. J'ai voulu fêter les 10 ans, on a fait les 15 ans après, c'était encore mieux. Je connais bien le maire ici, je vais le voir là, et puis j'ai dit, ah ben, je vais louer la salle des fêtes là, qui est là, pour faire les 10 ans, événement privé. Puis il me fait, ah non, 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 je dis, ben, pourquoi ?
la soyeuse, il faut faire avec le village. J'ai fait venir 8 ou 10 brasseries, on prenait des produits du coin, on a fait venir des groupes de musique, on a joué. On a mis en valeur le village, ça allait au-delà de ce que je pensais, quoi. Et après ça, je me suis dit, putain, je peux mourir. Tellement c'était fort. Cette fête a été absolument incroyable, les journées étaient éreintantes mais incroyables. C'est pour ça qu'on le fait tous les 5 ans et peut-être que tous les 10 ans parce qu'on a mis du temps à s'en remettre. On est encore choqués par ça, mais on promet rien, mais peut-être qu'il y aura quand même pour les 20 ans l'année prochaine. Ça faisait quelques années que je faisais toujours la même foire. Là, il y a un gars qui vient, puis il attendait qu'il n'y ait plus personne. Il me fait... Vous savez, votre rousse, vous savez, le soir, quand les enfants sont couchés, je m'en ouvre une et c'est la messe. Et ouais, on travaille aussi pour ça, quoi. Mais maintenant, comment fait-on de la bière? Il faut déjà savoir que la soyeuse intervient avant les autres brasseries, car c'est une ferme brasserie. C'est-à-dire qu'ils sont producteurs d'orge biologique. Ils sont donc présents tout au début. En effet, tout commence par le semis. Une fois que la nature a fait son travail, il y a les moissons, où l'orge est récoltée. Bien ensuite, l'étape de brassage, qui commencera systématiquement par le concassage. Le but, concasser les grains pour finalement laisser apparaître la graine de malt de céréales qui contient les sucres dont on aura besoin pour faire de la bière. Faut pas tout casser, parce que c'est ça qui va servir à la filtration. Si vous avez que de la farine, et ben en fait, après, vous passez des heures à filtrer. L'étape d'après, c'est l'empâtage. L'empâtage, c'est le moment où le grain concassé va tremper dans l'eau chaude. L'objectif, c'est de réveiller les enzymes qui sont dans le malt pour dégrader l'amidon en sucre. Ça fait des couleurs. Donc ce matin, vous avez vu la formation de Landry au brassage, à la soyeuse. Donc la première étape a été l'empâtage, c'est-à-dire le mélange du malt avec de l'eau à une certaine température. L'étape qui vient après, c'est l'ébullition. C'est une étape double qui permet, premièrement, la stérilisation de ce jus de céréales qu'on extrait à l'étape de l'empâtage, le mou. Le mou sort de la cuve d'empâtage et va se retrouver dans la cuve d'ébullition. On finit donc ce qu'on appelle la filtration du gâteau. Et donc il y a une épaisseur de matière de 40 cm, ça fait comme un gâteau d'anniversaire. Donc ça joue le rôle de filtre et c'est ça qui permet d'avoir ce mou transparent. Et quand la filtration sera finie, on va effectuer le dédréchage. On va retirer tout ce résidu de drèche de la cuve d'empâtage pour pouvoir la nettoyer et passer au brassin d'après. Et ces drèches seront récupérées par un éleveur du coin qui va s'en servir pour nourrir ses vaches. Et deuxièmement, l'ajout de houblon ou de tout autre ingrédient, que ce soit fleurs, fruits ou épices. Et ben, on en va. Là, on va bientôt faire le premier ajout de houblon. Voilà. Du Alerto Tradition, qu'on va ajouter en début d'ébullition. C'est le houblon qui va servir à amériser la bière. Une fois que cette ébullition est terminée, on transfère le tout dans un grand fermenteur stérilisé en amont. Dans ce fermenteur, on rajoute les levures qui vont créer une fermentation alcoolique. Après une quinzaine de jours, on va pouvoir passer au conditionnement, soit la mise en bouteille ou en fût. Juste avant cela, on aura rajouté du sucre pour donner du peps à nos levures et les nourrir, ce qui leur permettra de réaliser une refermentation en bouteille ou en fût. We'll be right back.
refermentation naturelle est faite, on va pouvoir passer à la meilleure étape, la dégustation. On a tout, on sait ce qu'on va avoir en bouche. C'est exactement ça. Ma préférée, c'est la bière au miel et la petite blanche à la fleur de sirop, parce que j'aime pas du tout l'amertume, au grand désespoir de mes collègues. Mais j'ai appris à découvrir certaines bières ici qui du coup ne sont pas amères. Je dirais, alors je les regarde en même temps, le choix est toujours dur. Du coup, je partirais sur la rousse, la miel et la triple, en fait parce que ce sont des bières que je ne trouve pas chez d'autres brasseries. À la soyeuse, j'ai quand même une petite préférée qui est la triple. Pourquoi la triple? Parce que c'est une bière qui fait vraiment voyager. Non, c'est pas pour son taux d'alcool, c'est vraiment parce que c'est la bière qui, en bouche, a le plus joli trajet. Donc ma bière préférée, c'est ma bière de cœur. C'est la bière rousse, parce que c'est la première recette que j'ai faite en novembre 2000. Moi, ce que j'aime bien là, ce que j'ai appris, c'est à incarner des idées. Incarner des idées. Vous partez de rien et vous l'incarnez. C'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. Il n'y avait rien quoi. Rien. Une idée. Oui, il y a autre affaire, hein, la balance des blancs, tu verras bien. Par contre, c'est pas obligé d'enregistrer. Ça fait rien la poussière, hein.